pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance de cette plante pour guérir l'inflammation et nettoyer les poumons. Cette plante dont nous parlons, est certainement l'un des plus puissants des plantes médicinales qui existent et mérite votre attention. Nous parlons de plantain. Vous comprendrez pourquoi cette plante attire l'attention de tout le monde. Le plantain est une plante rampante appartenant à la famille des plantaginacées. Les avantages de plantain. Le thé de banane plantain a de nombreuses propriétés bénéfiques pour notre santé et est l'un des thés médicinaux les plus largement utilisés dans le monde. Le thé sert de guérisseur, combat la diarrhée, les problèmes gastro-intestinaux et les maux de dents, dégonfle les ganglions lymphatiques, arrête le catarrhe bronchique et dégonfle la bouche et la gorge. Cette plante est très particulière car elle est astringent, antibactérien, ce qui réduit l'irritation, expectorant, analgésique, anti-inflammatoire, détoxifiant, la guérison, le nettoyage, décongestionnant, digestif, diurétique, sédatif, tonique et propriété laxative. Il nettoie également le sang et les poumons. Les avantages du plantain. Nettoyer les feuilles et immerger dans la banane plantain d'eau bouillante, peut être appliqué sur les blessures, et agir comme une guérison naturelle, qui sert également la lèpre, les brûlures et les morsures de chien. Son thé chaud sert également de bain de siège en cas de leucorrhée. Les feuilles comme un empasto guérir les plaies, les hémorroïdes et les fistules. L'infusion de feuilles sert également à arrêter les saignements de nez et à éliminer la toux et le mucus. Les feuilles et les pointes prises sous la forme de thé sont très puissants pour guérir certaines maladies du foie et de l'estomac. C'est une plante avec une forte action anti-inflammatoire. Comment préparer le thé de plantain? D'abord, vous devez bien laver à l'eau courante, parce que c'est une plante grimpante, peut accumuler de la saleté et de sable avec facilité. Après le lavage, il suffit de mettre 2 cuillères à soupe de soupe aux herbes pour 1 litre d'eau et faire bouillir. Éteignez le feu quand il bout. Couvrir et laisser la solution couverte pendant une période de 10 minutes. Ensuite, venez vous faufiler et boire. L'indication de cette consommation est la tasse de thé 1 toutes les 6 heures pour l'infection et la tasse 1 toutes les 8 heures pour des problèmes gastro-intestinaux. C'est une excellente cicatrice. Ce thé est également excellent pour les aphtes, et dans ce cas, de petits colutoires devraient être faits. Il y a aussi des rapports de cicatrisation dans l'utérus et de HPV. Dans ce cas, prenez le thé au plantain avec du thé au basilic pendant 16 semaines et toutes les 2 semaines faites une douche vaginale avec du thé chaud pour le froid. Cette recette sert également pour le cancer du col de l'utérus. Connaître les autres avantages de la banane plantain pour la santé. Traiter l'asthme et les affections des voies respiratoires, de la bouche et de la gorge. Lutter contre les infections. Drop, excès d'acide urique dans le sang. Aide à traiter l'ulcère gastrique. Combat les inflammations dans les oreilles, les yeux, les gencives, la gorge, les amygdales, le pharynx, l'estomac, les intestins, les reins et la vessie. Il aide à guérir les plaies plus rapidement. Excellent pour les rhumes. Aide à traiter la sinusite. Aide à traiter l'appendicite. Combattre la conjonctivite. Soulage les symptômes des hémorroïdes. Traite les problèmes urinaires. Il aide à guérir les plaies plus rapidement. Vous pouvez trouver cette plante médicinale à vendre dans les magasins d'alimentation, la manipulation de certaines pharmacies et dans les marchés libres. Ensuite, vous pouvez profiter de partager ce contenu avec vos amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour. Car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner,
pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.